Une filandière et un filandier au masculin, c'est des gens qui filent des fibres. Pourquoi vous filez la laine? C'est un désir pour moi de créer à partir du début à la fin. Si je contrôle, je choisis mes fibres, que je les file moi-même, je peux faire le mélange que je veux, avec les couleurs que je veux, tisser une pièce qui me représente moi et qui est absolument exclusive. C'est ce que j'aime. Quand on parle de fibres à filer, c'est comme ça. Vous voyez? Ça tient pas. On déchire facilement. Il doit sûrement avoir plusieurs techniques pour faire du filage. Effectivement, il y a différents instruments. Il y a le fuseau. Il y a un simple bâton. On peut filer à partir d'un bâton comme celui-ci. C'est un morceau de goujon. Il y a le fuseau moderne. Celui-ci est un fuseau turc qui vient de Nouvelle-Zélande. L'avantage, c'est qu'on peut le défaire. J'enlève la boule ici. Je peux sortir les branches de la croix. Et j'ai ma balle de laine qui est faite. Et avec l'autre main, je vais twister. Quand je vais avoir assez de twister, tu vois, j'ai passé... Hop, ça commence à être intéressant. OK. Je m'en vais, tu vois, qui tourne. Je pince pour le tenir. Alors, c'est ce que j'aimais dans ce fuseau. Il y a ensuite le rouet. Ce rouet est un rouet dit moderne. Lui aussi vient de Nouvelle-Zélande. Les gens se rappellent plus facilement du rouet avec la grande roue qu'on voyait dans Séraphin, dans La petite maison dans la prairie. Ce rouet-là, c'était fait pour filer vite, mais il n'y avait aucun confort pour la filandière qui était souvent croche, il n'y avait qu'une pédale. C'était dur à avancer. Bref, c'était très dur physiquement. Aujourd'hui, on a centré, j'ai deux pédales, c'est des roulements à billes, ça roule tout seul. Les filles, vous les avez essayées, vous savez que c'est vraiment très facile à tourner. Il y a des rouets qui ont l'air de n'importe quoi. J'ai vu juste deux pédales puis un épinglier au centre. Tous les modèles sont faisables, mais c'est toujours le même principe. Une roue, une courroie qui est activée par les pédales, qui fait tourner l'épinglier et qui fabrique le fil. Ça se voyage partout et c'est peu dispendieux. Ça... Attends un petit peu. On va se donner. Il est trop court. Tire. Étire là. C'est pas grave. Regarde. Attends. T'es bon, fille? Merci. T'es très bon. Tu vois, j'ai un fil de filet, j'ai même pas besoin de ton confort. Est-ce que vous faisiez du tricot avant de commencer à faire du feutre? Oui. Mais j'ai appris à tricoter. À l'époque, on avait des cours d'art domestique, la cuisine, le tricot, la couture. C'est là que j'ai appris à tricoter, le tricot à la broche et le crochet. C'est là que j'ai appris. Je suis en train de filer actuellement pour me tricoter un chandail, parce que ça, je l'ai tissé. Mais je l'ai tricoté, un chandail mérino et soie. Étant donné que je ne file pas 24 heures sur 24, ça me permet de... Ça prend une année complète pour filer suffisamment de laine pour tricoter un chandail. Ça doit faire combien de temps que vous filez pour être bonne comme ça? C'est gentil. Ça fait environ entre 8 et 10 ans. J'ai pas remarqué le temps exact. Le temps passe tellement vite quand on file. C'est agréable.